allant vers l'Agnien. Tout le dehors est lui sous une aversinée, et nous ayons le vent emplir les cheminées, assise à la fenêtre et ne songeant à rien. Les coussins sont tombés à terre, ou c'est pas, mais notre langueur au cours d'un long désœuvrement, et nous croyons sentir que ce vent, follement, éparpille notre âme ainsi qu'une fumée, pendant que notre main fainéante est lâchant un volume, arrondi au fond du jour couchant, quelque pâle dans la pâleur sournoise brille, et se fixe sur nous comme un œil sans pupille.